Abraham, même après 100 ans, il était encore fausse. Tu seras capable de courir au nom de Jésus. Parle-moi de Moïse. Parle-moi de Josué. Parle-moi de tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu aussi. Comment ils étaient en bonne santé. Nous allons aussi garder. Nous serons en bonne santé au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes ici ce jour. Si tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Parce que le Seigneur vient encore te donner la clé. Et cette clé, par la grâce de Dieu, te gardera en bonne santé tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Et ensuite, bien sûr, si tu es malade, il y a une bonne nouvelle qui vient à toi ce jour. La puissance de Dieu est assez forte pour ôter toutes les maladies de ta vie, même en ce jour, au nom de Jésus. Parce que, comme nous entendons la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et c'est cela. Et cette foi va enlever toute infirmité, toute maladie de ta vie ce jour au nom de Jésus. Et ensuite, bien sûr, toutes ces puissances de ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Et que Satan, tous ces mauvais esprits, où sont où maintenant? Je dis, ils sont où maintenant? Sous tes pieds, et tu vas marcher sur eux, ils ne seront pas sur ta tête, sur ton corps, dans ton corps, dans tes pieds, et n'importe où dans ton cœur. Ils ne seront plus là, parce qu'ils sont, déjà sous tes pieds au nom de Jésus. Et toutes ces puissances matinales, je les transfère maintenant. Je te les transfère maintenant. Et que toutes les puissances négatives, je les transfère de ta vie maintenant, hors de ta vie. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Le Seigneur est assez merveilleux. Et voilà la provision qu'il a donnée à ses enfants. Et il dit, voici ce que je vous ai donné. Il dit, je ferai une nouvelle chose. Oh, ne sais-tu pas, tu le sauras ce matin. Je dis, je le saurai ce matin. Voyons, Exode, chapitre 23, verset 20. Exode. J'envoie un ange devant toi. Voyez. Ceux qui étudient savent comment Christ est venu, même avant que l'Ancien Testament ne s'expire. Oh, je l'enverrai devant toi pour te garder dans la journée et pour t'amener au lieu où j'ai préparé, j'ai apprêté pour toi. Est-ce que c'est ta voix? Ne le provoque pas, parce qu'il ne te pardonnera pas. Il ne va pas pardonner tes transgressions. Il dit, car mon nom est en lui. Si tu peux, il nous dit, si seulement on peut obéir à la voix de l'Éternel qui nous guide, qui nous protège, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous contrôle, le Seigneur qui nous montre la voie que nous devons suivre. Il dit, si seulement tu, de façon transparente, vous servirez l'Éternel. Ouais. Le verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je serai l'ennemi de tous tes ennemis. Et si tu ne te détournes pas, si une maladie veut te toucher, ils vont se toucher eux-mêmes. Parce que Tout-Puissant Dieu dit, je serai l'ennemi de tous tes ennemis. Et dit, l'adversaire, tous tes adversaires, car mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Cananéens, et les Éviens, et les Jébusiens, et je les exterminerai. Et tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, devant leurs idoles, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. Il nous dit, n'allons pas adorer les idoles, et ni au village, et les idoles dans la mer, les idoles dans les océans, les idoles dans les communautés, les idoles dans les tribunes, les
les idoles dans les familles. Dans les, il dit, nous les brisons. Nous les briserons. Je dis, nous allons les briser. Parfois, certaines personnes, ils sont dans les villes et ils maintiennent encore ces choses à leurs pieds, dans leurs cou, et ils ont brisé les. Ils apportent tous les idoles de leur village et toutes ces choses, toutes ces représentations et idolâtres. Ils les amènent de leur village. Ils ont cela au cou, ils ont cela à leur oreille, partout sur leur corps, ils ont cela. Ils les jettent au nom de Jésus. Maintenant, voyez le verset 25. Il dit, et vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voyez, regarde-toi. De toi, du milieu de toi, dans ton corps. Le Seigneur, il va enlever la maladie. Et de tes enfants, le Seigneur éloignera la maladie. Et de ta femme, le Seigneur éloignera la maladie. Et de ton époux, le Seigneur éloignera la maladie. De toute ta famille, dit, du milieu de toi, je vais éloigner la maladie. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Je vais vivre longtemps. Je dis, je vivrai longtemps. La maladie ne veut pas me tuer. Aucune infirmité ne vient pas réduire ma vie. Les infirmités ne vont pas réduire ma vie. Parfois. Et tous ces désastres ne vont pas accoûter ma vie comme Joseph, comme Abraham, comme tous les autres hommes de Dieu qui vivraient longtemps au nom de Jésus. Un exemple, Deutéronome 34. Deutéronome 34, verset 7. 34, Deutéronome. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans. Avant de continuer, vous savez, Moïse avait déjà 40 ans quand il commençait à faire quelque chose. Il avait échoué et parce qu'il a fait, il devait fuir. Et donc il a patienté et il met donc sa vie comme si un homme abandonné, oublié, un homme mis de côté. Et après 40 ans, 80 ans maintenant sont passés. Et si tu étais comme tu as déjà 60 ans d'âge, et on passe dit, oh frère, es-tu ouvrier? Parce que oui, j'ai déjà 60 ans, je n'ai plus de force, je ne peux plus être ouvrier. Qu'en est-il si tu as déjà 60 ans? Moïse avait déjà 80 ans. Et il dit, vas-tu œuvrer pour le Seigneur? Oh, il dit, pasteur, oh, je pense que je le connaissais avant ce moment, parce que l'âge a avancé maintenant. Oh, il s'est dit, à 80 ans, la main de l'Éternel viendra sur ta vie. Je dis, la main de l'Éternel viendra sur ta vie. Et une fois que tu peux encore manger, et respirer, et parler, et avancer, la puissance de Dieu est là. Et à 80 ans, l'Éternel a appelé Moïse et dit, viens, je t'enverrai en Égypte et tu iras délivrer le peuple d'Israël. Et cette même puissance te vient à toi. Et quel soit ton âge, tu n'es pas encore petit. Le Seigneur dit, ton temps, le temps est venu où chacun, jeune, vieux, femme, homme, tout le monde va se lever et la puissance de Dieu va te saturer, va te lever et tu feras quelque chose de merveilleux pour la gloire de l'Éternel, pour le royaume de Dieu dans cette génération, au nom de Jésus. Et Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. Sa vue n'était point affaiblie. Sa vue n'était point affaiblie. Pensez à cela. Premièrement, son esprit, sa vie spirituelle, elle n'était pas affaiblie. Et ouais, le Seigneur lui parlait encore. Et il voyait encore à distance. Qu'est-ce qui se passait? C'est au peuple d'Israël, dans le futur. Et à cause de ce que sa vie spirituelle n'était pas encore affaiblie, cela a affecté également sa vie physique. Et à cause de cela, sa vie physique aussi n'était pas affaiblie. Et il continuait d'y. Et sa vigueur n'était point passée. Parce que sa vigueur spirituelle n'était pas encore passée. Cela n'a pas. Donc,
à cause de ce que cette vigueur spirituelle était encore croissante, c'est de la même manière. Et je dis encore comme tes jours, selon aussi ta force au nom de Jésus. Revenons, revenons. Deutéronome, chapitre 33. 33 de Deutéronome. Je vous lis au verset 25. Voyez. Vous devez marquer ceci, vous devez marquer ceci. Chaque fois que tu ouvres ta Bible et tu regardes les places, les lieux que tu marques, tu dis, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et ce sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Parfois plusieurs personnes ne comprennent pas. Parce que cela, c'est le serpent est sous vos pieds. Les démons sont déjà sous vos pieds. Parce que Satan est déjà sous tes pieds. Et pendant que tu marches, tu n'as pas peur aux pieds d'une patrouille. Parce que dis quoi? Tes pieds vont les fouler. Et que tes verrous soient de fer et de rein. Il dit ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Es-tu là? Je dis, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Es-tu là? Je dis, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Quand tu es jeune, tu n'as pas de cancer. Quand tu es jeune, tu n'auras pas ça aujourd'hui. Je dis, tu n'as pas de maladie quand tu étais jeune. Tu n'auras pas maintenant. Tu n'as pas des douleurs, la faiblesse de vue. Quand tu étais jeune, tu ne l'auras, tu n'auras pas. Je dis, tu n'as pas eu de problèmes physiques. Quand tu étais jeune, tu n'as pas eu toutes ces douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Tu ne l'auras pas aujourd'hui. Et tu n'avais pas toutes ces façons de coucher, de se perdre de temps. Oh, maintenant, oh, bon. Mais tu vas avancer de plus en plus dans la force et de santé en santé. Et tu vas avancer de plus petit au plus grand et plus en multitude au nom de Jésus. Il dit, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est parti sur les cieux pour venir à ton aide. Et il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est ton refuge. Le Dieu d'éternité est un qui? Est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Et devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût. Et son ciel distille la rosée que tu es. Ce se passera à chacun au nom de Jésus. Voyez le Nouveau Testament maintenant, Jean, chapitre 1. Un seul chapitre. 1 Jean, chapitre 2. Voici ce qu'il nous dit. Ce qu'il souhaite pour nous. Ce qu'il désire pour nous. Ce qu'il promet pour nous. Ce qu'il nous accorde. Il nous dit dans 1 Jean. Je vous dis, le verset, chapitre 2. Y a-t-il un bien-aimé là? C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Si tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Tu es un bien-aimé. Tu es aimé avec cet amour merveilleux. Cet amour va couler de ta vie au nom de Jésus. 2 Jean, chapitre 1. Il dit, voici à cela. Il dit, je demande, je proclame, et puis je demande. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en mode et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Troisième, il dit, tout c'est parti de cette verset sera pour toi au nom de Jésus. Il dit, je souhaite que cela et que toi tu sois en bonne santé. Oui, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme la proportion, le niveau de ta prospérité spirituelle déterminera comment prospère tu es, et même au plan naturel, et comment ta santé serait, parce que ils vont tous ensemble, ils sont liés ensemble. Il nous dit, j'étais fort réjoui, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Voyons, ça c'est la guérison divine, la condition, la guérison divine à vie. Point numéro 1, la condition de la guérison divine à vie. Numéro 2, son engagement pour notre santé éternelle. Il s'est engagé, son engagement pour notre guérison divine éternelle. Numéro 3, sa confirmation. Il a confirmé, il va la confirmer dans la vie de chacun. Il dit, donc comme j'ai été fidèle à Dieu, je te serai aussi fidèle et je vais confirmer tout ce que de la vie longue et de l'assurance pour toujours. Je dis numéro 1, tu le posséderas. Numéro 2, tu vas procéder. Numéro 3, tu vas procéder au nom de Jésus. Point numéro 1, dites-le moi. Dites-le à haute voix. 1, 2, 3. Les conditions de la guérison divine à vie. Exode chapitre 15. Oh, tu ne dis pas, je connais ce verset, je l'ai dit à lui. Que j'ouvre ma Bible, mais je veux te regarder. Quand tu mets l'eau et que nous préserve l'eau pour toi, je l'ai fait déjà, je ne vais pas regarder. Tu as vu la vie que le Fils mène ce matin, tu as vu le Fils hier. Je vais voir ce verset encore. Et non, te donner encore le pain encore hier. Oh, je n'ai plus besoin de pain. Bien sûr, tu as besoin de pain aujourd'hui encore. Tu en as besoin encore. Tu en avais besoin. Et tu as encore besoin de. Tu as besoin de renouveler de voir encore la véritable puissance de ce verset. Et cela te parviendra ce jour au nom de Jésus. Exode chapitre 15, verset 26. Verset 1. Il dit si tu écoutes. Il dit si tu écoutes. Si tu écoutes la condition, plusieurs personnes, ils mènent leur vie sans attention. Une vie, ignorante, et dit, oh Dieu est merveilleux. Et mon Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle selon sa condition. Il dit, il y a une condition. Si nous voulons avoir une guérison divine, une bonne santé, à vie, il a pas dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, voyez cela avant, si tu peux agir. Plusieurs personnes, quand tu leur parles, ils te regardent, mais ils s'en foutent de tout ce que tu dis. Leur pensée est distraite. Ils n'écoutent pas diligemment, attentivement. D'autres personnes suivent aux choses superficielles que tu vois. Ils ne voient pas la profondeur et le niveau de tout ce que nous disons. Ils ne savent pas les conséquences de ce que nous disons. Ils écoutent seulement les façons superficielles. Certaines personnes écoutent avec une partie de leur cœur et l'autre partie de leur cœur pense à autre chose. Mais dis, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, ça veut dire quoi? Que tu écoutes sa voix seulement. Voyez, l'étranger te parlera, mais tu l'oublies. Satan parlera et tu bloques cela de côté. Et ce que tu vas parler, et tu mets cela de côté, et les hommes ignorants parleront, tu les mets de côté, et tous les incroyants parleront, tu les mettras de côté, et même ce que tu ressens, toi peux parler, mais tu mets ça de côté, tu ouvres maintenant ton oreille, tu ouvres tes oreilles attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, peu importe ce que les autres disent, peu importe l'attitude des autres. Peu importe les autres, donc si seulement tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais, voici la parole de si, je vais donc, tu diras, oh, je vais écouter attentivement le Seigneur. Il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ouais, un seul jour, mener une vie, mener une heure, à la fois, un jour à la fois, je peux obéir à Dieu, et 5 minutes, je peux obéir au Seigneur, et 30 minutes, je peux obéir au Seigneur, et justement, 1 heure, je peux obéir au Seigneur, moment, 1 heure après heure, après jour, et semaine après semaine, cela va amener à le faire au mois, de mois maintenant, aux années, il dit, un moment à la fois. Donc tu as payé
Il dit, si seulement tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel, dites-moi. Car je suis l'Éternel, dites-le-moi. Qui te guérit? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà. Oh, Dieu dit, je suis ton docteur personnel. Je suis ton docteur personnel. Je suis ton médecin personnel. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et tu mets ta main dans la main de l'Éternel. Tu mets ton corps dans la main de l'Éternel. Tu mets ta santé dans la main de l'Éternel. Et tu mets ton futur dans la main de l'Éternel. Et me voici, il dit, je suis. Il ne va jamais te... Il ne va jamais te décevoir. Parce que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Il dit, je serai. Il dit, je suis l'Éternel. Que tu ne peux pas faire quelque chose dans le futur. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mais il dit, je suis l'Éternel. Et à ce moment, il est l'Éternel. Il dit, à ce moment, cette matinée, il est l'Éternel. Et il va ôter toutes les maladies de nos milieux au nom de Jésus. Et aucune maladie en Égypte ne te fera pas peur. Parce que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Ce que les Égyptiens tombent, le cancer des Égyptiens n'est pas pour moi. La tuberculose des Égyptiens n'est pas pour moi. Le sida des Égyptiens n'est pas pour moi. Toutes ces douleurs, ces maladies, de tout Qataria, de l'Égypte n'est pas pour moi. Et tous les maux venant du ciel, c'est pour moi. Est-ce que tu as entendu? As-tu jamais entendu de tuberculose céleste? Rien. Tout ce qui vient seulement des cieux m'appartient. Parce que tout ce qui venait de l'Égypte, je les rejette, je les résiste et je ne les aurai pas au nom de Jésus. Du sommet de tes pieds jusqu'au petit pied de la terre, toute la transformation va refaire la vie au nom de Jésus. Revenons. Deutéronome, chapitre 7. Nous voyons les conditions de la guérison divine à vie. Deutéronome, chapitre 7, verset 12. 7 de Deutéronome, verset 12. Tous ces Égyptiens, toutes ces choses des Égyptiens sont déjà passées, sont parties pour toujours. Nous voyons, chapitre 7, verset 12. Et si vous écoutez ces ordonnances, si, vous voyez cela, la condition, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères. Certaines personnes que nous disons, il a dit, oh, et cela va s'accomplir. Mais pour toi, d'avoir une assurance double, pour que tu puisses avoir une assurance double, pour avoir une assurance multiple, pour que tu puisses avoir cette assurance inchangeable. Il a donné la promesse. Il dit, écoute, j'ai donné plusieurs promesses. Et j'ai juré maintenant, parce que tout ce que j'ai dit, je le ferai. Et tu dois te rassurer. Même si je n'ai pas juré maintenant, pour que tu sois maintenant rassuré, et sans aucun nombre de doutes, que Satan ne peut pas reverser, que l'ennemi ne peut pas reverser cela, et que la puissance des ténèbres ne peut pas reverser cela. Et tu, il dit maintenant, tu mets, il dit au verset 15, l'Éternel éloignera de toi combien de maladies? Toutes maladies. Et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. J'ai besoin de moi, amen, ici. Le Seigneur dit, toutes ces choses que tu lis concernant l'Égypte à Babylone, ce qui est venu sur Babylone, sur Nebuchadnezzar, ça c'est pour Babylone, c'est pas pour ça, cela ne te viendra pas. Ce qui était venu sur Pharaon ne viendra pas à toi au nom de Jésus. Ce qui était venu sur chacun d'eux, le Seigneur dit, si, c'est ce que tu vas faire. Et donc, et tu seras obéissant à la parole de Dieu, le Seigneur dit que tu es déjà libre. Toutes ces maladies, ces mauvaises maladies, tu es aujourd'hui, libre aujourd'hui, tu es libre demain, tu es libre la semaine prochaine,
tu es libre, le mois prochain tu es libre, l'année prochaine tu es libre, de pour toute ta vie au nom de Jésus. Job, nous voyons Job, chapitre 11. Job, chapitre 11. Verset 13. Job 11, verset 13. Verset 13 qui dit, pour toi, voici encore, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Il dit, tu vas étendre tes mains vers lui. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Et sans crainte. Et sans crainte. Pas de crainte pour ta vie encore au nom de Jésus. Parce que tu oublieras tes souffrances. Et t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront, comment, plus d'éclat que le soleil est à son midi. Tes jours auront plus d'éclat. Ça veut dire quoi? Plus d'éclat. Plus d'éclat que le soleil à son midi. Parfois, certaines personnes, quand vous voyez, ils ont une maladie particulière, et c'est éternel, c'est là. Et vous allez voir le docteur dit, on a besoin donc de... Quand nous allons prendre maintenant, on va faire une analyse, on saura où se trouve cette maladie. Quelqu'un dit, quelqu'un va dans cette clinique, l'autre va là-bas, elle est couchée là-bas, et on t'examine et on dit, tu peux maintenant attendre là-bas, et on va maintenant venir apporter cet homme. C'est pas toi encore. Il dit, c'est pas toi. Il dit, ce n'est plus toi. Il dit, ce n'est plus toi. Et on appelle la personne, on dit, mais regardez cet homme. Cet homme, ceci, qui est là-bas. Le docteur dit, il fait sortir ces choses-là à travers l'opération et il dit, maintenant le Seigneur dit, après cette matinée, que toute cette maladie est passée. Et ta vie sera plus éclat que le soleil à son midi. Je dis, oh, je n'ai jamais vu une personne en bonne santé comme cela dans le passé. Maintenant, tu es cette personne, tu es la première personne que je vois et qui va recevoir et qui, dont la vie sera préservée de toutes ces maladies de la tête, du corps, de tes pieds et tous tes libres. Je dis, quoi? C'est, il n'y a plus d'éclat que le soleil à midi. C'est pour toi, au nom de Jésus. Et dit, et tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Et tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Et tu regarderas autour de toi. Et tu reposeras en sûreté. Ça va se passer sur ta vie au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, la condition est là. La condition est là. Nous allons voir maintenant Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 5. Jean, chapitre 5, verset 5. Il dit, verset 5, il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Ça, c'est il était couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il était malade depuis longtemps. Il est dans ce cas. Pendant longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? La même question vient à Jésus. Veux-tu être guéri? Réponds-moi, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus a dit, lève-toi. Je te dis encore, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Comment? Il fut guéri. Verset 14. Ouais, depuis Jésus le trouva dans le temple. C'est là, après que tu es guéri, c'est là que tu te trouvais. Après que tu as été rétabli. Après que tu as été béni,
après que ta prière a été exaucée, c'est là où on peut te trouver. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voici la condition. Tous les péchés du passé dans ta vie, tu es guéri, tu es sauvé. Et tu es délivré, tu es sauvé. Et tu as abandonné tous ces péchés du passé. Tu ne retournes plus à ces péchés. C'est ce que Jésus dit. Il dit, voici la condition. Si tu veux avoir la grâce divine, et pour garder cette grâce divine, pour que cette grâce divine demeure, c'est que tu vas partir et tu ne vas plus pécher. Il dit, ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, ouais, je suis malade, j'étais malade pendant 38 ans. Jésus m'a dit, si je retourne encore au péché, que quelque chose de pire me viendra, pire que ce que je souffrais. À cause de cela, il a mené une vie de justice par la force, par la grâce du Seigneur. Et cette même force, c'est disponible pour toi. Et tu vas vivre la vie de justice au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. C'est son engagement pour notre guérison, notre bonne santé éternelle. Ça, son engagement pour il s'est engagé. Il s'est engagé qu'il va nous donner la bonne santé. Il va le faire. Il dit, il te gardera en bonne santé. Jérémie 33. Il s'est engagé. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un Dieu fidèle. Et il confirme à travers sa parole. Il accomplit sa parole. Il nous dit, Jérémie 33, le verset 6. Nous voyons, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai la santé et la guérison. Je la guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de pain et de fidélité. Je ramènerai les captifs. Voyez. Verset 3, maintenant, il dit, venez à moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Et elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. La promesse de santé est là. Je prie que tu l'auras au nom de Jésus. Mais Jérémie s'inquiétait, s'étonnait. Il dit, le Seigneur a fait la promesse pour la bonne santé. Et c'est comme si les enfants d'Israël, le peuple de Juda, voyaient les conditions. Certains d'eux étaient faibles, étaient complètement affaiblis. D'autres étaient malades. D'autres étaient encore pleins de maladies. D'autres étaient impotents. Il dit, pourquoi? Voyez la promesse que Dieu a faite déjà. Jérémie. Quand vous voyez, Jérémie chapitre 8, vous voyez, ils voyaient étonnement. Ils étaient surpris. Chapitre 8, verset 21. Chapitre 8 de Jérémie, verset 21. Vous voyez le verset 22. Et je vais revenir au verset 21. Il dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il s'étonne. Mais voici ce que Dieu a promis. Et ça, c'est le grand docteur, c'est le grand médecin, c'est le grand guérisseur. C'est lui qui accomplit la guérison. Et voici, et il dit, et comme il voit ses faibles, ses malades, et il dit, je traverse ceci. Et ils se demandent, ils étaient aussi malades comme les Égyptiens, aussi malades comme étaient les Babyloniens. Quelle est la différence? C'est pourquoi il dit, revenons au verset 21, il dit, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Voyez, ouais? N'y a-t-il point de bon mangala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Quand vous voyez l'église, et que l'église qui va à Capernaüm, ils vont dans toutes ces villes, ils vont dans tous ces villages, et ils guérissaient. Ils
guérissait tous et il les grittait tous, il les grittait tous. Il n'y avait même pas, il n'était même pas précis. Il venait de dehors. Et ceux-là venaient à son haut, fils de David, tu peux nous guérir. Et cet homme dit, oh, fils de David, tu peux me guérir. Et quand ils allaient même, ils étaient déjà guéris. Et cet homme est venu, il s'est prosterné. Oh, si tu peux seulement me ce lépreux était venu pour dire, oh, si tu peux seulement me guérir. Oh, cet aveugle est venu, il dit, si tu peux seulement me guérir. Et il le guérit. Celui-là qui avait la main sèche, et il a demandé qu'il redresse sa main, et la main fut guérie. Et il dit, va voir les prêtres, et tu seras guéri. Et il est parti. C'est comme cet homme, à cause de la maladie, de l'infirmité, cette femme qui souffrait de cette infirmité pendant 12 ans, près de 100, et cette femme touchait seulement son manteau et fut guérie. Pensez maintenant à l'église de Dieu vivant. Voici le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire, c'est le guérisseur, le sauveur, c'est lui qui est autosuffisant pour l'église, pour guérir. Et tous, plusieurs sont infimes, et plusieurs sont malades, sont faibles. Et il s'est dit, n'y a-t-il pas de beau Magala, n'y a-t-il point de médecin? Qu'en est-il de ce que nous voyons? Sans que nous chantons, Jésus-Christ seul, il est le sauveur, l'être celui qui nous guérit, celui qui nous sanctifie, il est celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, il est le roi qui est à le roi à venir. Pourquoi, s'il est le guérisseur, pourquoi ces plusieurs sont encore malades? Alors, Jérémie, c'est pourquoi il dit, n'y a-t-il point de beau Magala, n'y a-t-il point de puissant dans l'église de Dieu, n'y a plus de guérison dans l'église de Dieu vivant? Et il dit, n'y a-t-il de médecin? Qu'en est-il du grand docteur? Il dit maintenant. Maintenant, la santé. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie 17, verset 5. Il dit, le Seigneur dit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah, c'est ton problème. On détourne notre attention, notre confiance de Dieu, de Christ, du guérisseur, comme Christ, notre celui qui nous guérit. Mais on a confiance en un homme. On place notre confiance en un homme. On place notre confiance en cette vallée, cette montagne, ce feu. Nous avons la confiance en tel. Et ce prophète, cette prophétesse, nous avons confiance en ce ministre. Nous avons confiance en ce frère, ce bien-aimé, cet homme. Et c'est pour cette raison que le grand docteur est là. Le Seigneur est là. La tête de l'église est là. Et dit, invoque-moi et je répondrai là. Mais on ne l'invoque pas. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie. Et lui qui dit que à mon nom, ils vont chasser les démons. Et quand ils boivent le poison, il ne leur fera aucun de mal. Et il espère. Lui qui allait partout, guérissant tous les malades, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses qui sont cachées. Et il a dit, je vais apporter la guérison. La bonne santé, je vais le restaurer tout ce que tu as perdu et je vais te donner. Maintenant, et malgré tout ce qu'il dit, nous n'avons plus de confiance en lui. Et c'est pourquoi Jésus dit, pourquoi est-ce que la santé de mon peuple, du peuple de Dieu n'est pas restaurée? Je dis non, changez tout ça aujourd'hui. Au lieu d'avoir confiance en un homme, au lieu d'avoir confiance en ces montagnes, ces vallées, qu'est-ce que ce que cela, non? Placer la confiance en l'Éternel. Il dit Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je dis que un changement viendra. Ce changement est déjà là et viendra sur la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Proverbe. Proverbe chapitre 3. Verset 7 et 8. Proverbe chapitre 3, verset 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Comment veux-tu avoir la santé? La santé divine dont nous parlons. La santé le matin. En bonne santé dans l'après-midi. En bonne santé dans la soirée, dans la nuit. En bonne santé dans la journée. En bonne santé dans chaque jour, après, la bonne santé, la semaine, la bonne santé, dans le mois, tout le temps de ta vie. Il dit,
Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Que le Seigneur soit le seul qui te dirige, qui te conduit, qui te guide et qui dit crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Chapitre 4, verset 20. Chapitre 4, verset 20. Il dit mon fils, chapitre 4 de Proverbes, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. La santé perpétuelle, d'année en année, sera pour toi. Ce sera pour toi au nom de Jésus. Voyez, chapitre 4, verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Quand tu satures ta vie, ton corps, tes entendements, tes yeux, de la parole de Dieu, et tu ne vas pas permettre à ce que quelque chose se détourne de toi. Et lorsque les promesses de Dieu, la parole de Dieu, la confirmation de Dieu, la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, quand tu déclares cela, et que tu comprends cela, et que tu t'attaches à cela, lorsque tu regardes à cela à chaque fois, tu ne parles plus, tu ne te concentres plus sur ta maladie, tu ne regardes plus à ce que se passe dans ta vie, mais tu dis, c'est la parole. Et tu ne vas pas, donc tu vas maintenant, tu vas permettre à ce que les promesses de Dieu t'abandonnent. Tu dis, garde-les dans le fond de ton cœur, tu les lis, les proverbes, tu les reprends plusieurs fois et tu ouvres ta Bible encore, toutes les promesses de Dieu, tu les lis encore à retour, tu les lis encore, tu les relis encore plusieurs fois et dis, quand tu vois une douleur et qu'il y a encore une douleur, tu te rappelles encore de la parole et tu la lis et tu revois cela et tu la revois et ta vie, tu dis ça c'est pour moi, ça il est le docteur. Il est mon guérisseur. Et par sa maîtrise, je suis guéri. Et tu regardes encore cela. Et tu dis seulement, tu ne te détournes. Tu les gardes dans ton cœur. Tu les gardes dans le fond de ton cœur. L'infimité ne va plus affecter ta pensée. Tout ce qui affecte ta pensée, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, il a même juré là-dessus. Et vous dites, voici ce que cela te le dit, il n'y aura plus de maladie qui va rester dans ta vie. Il dit, plus de maladie ne te gardera plus. Parce qu'il a dit, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tout le corps. La santé pour tout le corps. La santé pour tout le corps. Et je l'aurai au nom de Jésus. Il dit, je l'aurai au nom de Jésus. Vous savez, certaines personnes, au lieu de regarder la parole de Dieu, de considérer les promesses de Dieu, il dit, voici ce que je ferai. Ils vont jeûner. Ils jeûnent. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils jeûnent. Et ils ne considèrent pas les promesses de Dieu. Ils jeûnent. Et ils ne permettent pas la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, la puissance de Dieu, dans cette parole, de venir dans leur vie, de les transformer. Ils ne font que jeûner. Et après, pendant qu'ils jeûnent, ils deviennent maintenant très, très minces. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais encore jeûner. Je vais jeûner encore, c'est ce que je sois guéri. Quelle promesse? Tu dépends de quelle promesse? Tout ce que je sais, c'est que je vais jeûner. Jusqu'à ce que toutes ces choses disparaissent. Oh, quel passage de la Bible que tu considères? Oh, mais voyez, que c'est pas mes promesses que je suis guéri. Montre-moi ta Bible, ta parole. Cela se trouve où? Où? C'est pas tes mais ils sont venus à lui. Le soir, la nuit, plusieurs sont venus à lui. Et il ôta. Cette maladie, où est cela? Où est sa puissance? Qui guérit? Il dit, si les anciens prient pour le malade, le malade sera guéri. Où sera ce truc dans la Bible? Ils ne connaissent pas la promesse de l'autorité des enfants de Dieu. Seulement ils se rappellent de jeûner. Mais lorsque vous revenez à la parole de Dieu, cette parole va ôter toutes les maladies de ta vie au nom de Jésus. Voyez Esaïe. Chapitre 58, Esaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Certaines personnes disent, pourquoi ne pas être gentil, juste, et si je vois que seulement la parole de Dieu,
comme la parole de Dieu a dit, gloire à Dieu, je peux l'oublier. Est-ce que cette parole sonne comme une trompette? Dites-le ma haute voix. Oui. La voix comme une trompette. Et voici cela. Élève ta voix, élève ta voix. Crie à plein gosier. Ils vont lire une partie de la Bible, ils ne veulent pas lire l'autre partie. Ils disent ceci, je fais ceci, je fais cela. Hein? Quand la Bible dit, fais ceci, l'autre chose, elle ne le fait pas. Quand la Bible dit, prêche. Quand tout le monde dit, crie à haute voix. Crie à haute voix. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche et il veut connaître mes voies comme une meilleure nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Où est-ce là? Que nous sert de jeûner? Pensez à cela. Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme. Si tu n'y, point, tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mains mercenaires. Ils jeûnent. Ils sont amers. Ils sont amers. Ils jeûnent. Ils ne pardonnent pas. Ils jeûnent. Et ils haïssent. Parce qu'il faut que jeûner. Et la haine est là. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le seul jeu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, ceux qui sont opprimés par tant de force, et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malades, les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, si tu fais tout ça, pas seulement jeûner, pas seulement au jeûne, je ne mange pas. J'ai jeûné 7 jours, 21 jours, 31 jours, que ce soit cela. Non, il dit, si tu fais toutes ces bonnes choses, et tu apportes la compassion, tu as compassion, la miséricorde et l'obéissance à la parole de Dieu. Et tu es maintenant généreux à ceux qui sont dans le besoin. Et tu fais, et tu couvres, tu vois un homme nu et tu le couvres. Et Dieu, tout ce que tu dis, si seulement, il va se dire maintenant. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ce matin, ta lumière poindra comme l'aurore. Il dit maintenant, et ta guérison s'aimera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça va se passer au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant. C'est la confirmation de la vie longue et du désir. La confirmation de la, qu'autrement dise, long jour. Et la bonne santé désirable. Deutéronome. Chapitre 4, la vie, long jour, pour chaque enfant de Dieu. Et dit, le nombre de tes jours, je multiplierai cela, il le fera, il multiplierai cela pour toi au nom de Jésus. Chapitre 4, Deutéronome, verset 39. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Oui, garde mes paroles, observe mes lois, écoute ma parole, et mène ta vie selon ma parole, afin que tu sois heureux, toi.
toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais des jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, pour prolonger désormais tes jours, voici ce que tu dois faire, voici le secret, regarde mes paroles, tu obéis à ma parole. Et les longs jours seront pour toi. Chapitre 6, versets 1 et 2. Maintenant, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique, pas seulement les lire, mais les mettiez en pratique, pas seulement les écouter, les mettre en pratique, pas seulement les apprécier, les mettre en pratique, pas seulement les mémoriser, les mettre en pratique, pas seulement les prêcher, les mettre en pratique. Il dit, nous sommes des pratiquants de la parole. Lorsque quelqu'un n'est pas seulement quelqu'un qui participe à tous les programmes, il atteint toutes les conférences, il atteint tous les congrès, il suit tous les congrès, les crimes de foi. Mais si tu, seulement tu peux obéir, ce n'est pas seulement à apprécier, mais ce n'est pas seulement quelque chose à apprendre, mais prendre tous les détails de la parole, tout ce que tu as entendu, et après tu les appliques maintenant dans ta vie. Donc ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, je les applique à ma vie quotidienne, je les applique à ma vie personnelle, j'applique la parole de Dieu. Il dit, lorsque je l'ai pratiqué, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, voyez les commandements, afin que tu crains l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Voyez? Et tes jours seront, afin que tes jours soient prolongés. Ce sera prolongé au nom de Jésus. Deutéronome 17, verset 18. Deutéronome 17, verset 18. 18, verset. Chapitre 17, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Ici, le Seigneur parle maintenant. Vous voyez, en ce moment, il n'y avait pas de photocopie à faire. Il n'y a pas de photocopieur pour photocopier toutes les passages, les il n'y a pas d'imprimante pour imprimer la Bible, la parole de Dieu. Il n'y avait pas un appareil de scannage. Il n'y avait même pas cet appareil. Voici, donc ce n'était pas donc un problème. Mais le roi prendra le bic, il va regarder les écritures et il va copier toutes choses de cette loi. Il ne va pas dire ceci, il fait ceci, non, il copie tout. Il devait tout copier, toutes choses, sans exception. Et que cela soit sérieux ou pas, il doit tout copier. Il dit, verset 19 maintenant, il dit, il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie. Cette parole qui possède maintenant dit, et il lira tous les jours de sa vie. Maintenant, il y a la Bible maintenant qui est imprimée. Vous avez une copie de la Bible. As-tu une copie de la Bible dans ta main? Je sais. Mais je veux juste savoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Où es-tu? Tu as la Bible? Lève ta main. Pas la main, les mains balancent la Bible. Je dis la Bible. Quand tu me dis ça, la Bible. Si chacun peut lire ce que nous lisons, quand nous élevons en haut, et tu lis cela, tu digères cela, et tu médites cela, et tu fais cela, et tu accomplis ce que tu as dedans. La vie, la longue vie sera pour toi au nom de Jésus. Voilà, ça c'est le secret de la succès. Le secret du succès, le secret de la puissance, le secret à la victoire, le succès, le secret pour vaincre, le secret pour la bonne santé, le secret pour dominer, le secret. La Bible, ceux qui lisent la Bible à la maison. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ils laissent la Bible à la maison. Et ils courent de montagne en montagne pour chercher la délivrance. Si tu laisses ta Bible à la maison, et tu cours de montagne en montagne, et ils recherchent la domination. Voici, ils laissent la domination à la maison. Ta Bible. Et ceux qui laissent la Bible à la maison, et qui courent pour une puissance ailleurs, ils laissent la Bible que tu as laissée à la maison, et la puissance dedans. Prends la Bible, étudie-la, lis-la, et mène cette vie, et la puissance de Dieu va agir dans ta vie de façon exceptionnelle au nom de Jésus. Lève-toi le matin, tu lis la Bible. Tu te réveilles le matin, tu apprends ce livre. Tu apprends, tu soulignes ces passages qui t'ont donné. Et le matin, tu te réveilles et tu étudies de tout ton cœur. Tu satures ton cœur. Et tu dis, Seigneur, je vais t'obéir. Et que dès que tu vas au marché, tu vas dans la communauté, dans la journée, tout ce que tu as appris dans la matinée, tu vas te soumettre à cela, tu vas obéir à cela. C'est ça le secret. Je
nom de Jésus. Voici encore le verset 9. Chapitre 17, verset 19. Il dit, il devra l'avoir avec lui et il ira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge maintenant, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Voici la raison pour laquelle. C'est ce qui va prolonger notre vie. C'est ce qui va prolonger notre vie. Certains ne comprennent pas. Ils cherchent de tel en tel. Comment faire pour que ma vie soit prolongée? Parce que nous connaissons maintenant le secret. Et si tu peux garder ce secret, ta vie va se prolonger au nom de Jésus. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume. Lui et ses enfants au milieu d'Israël. Proverbe chapitre 3, verset 1 et 2. Proverbe chapitre 3, verset 1 et 2. Long jour. Que tout le monde dise long jour. Cela vient. Cela viendra chacun ici de nous au nom de Jésus. Proverbe 3, verset 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Le Seigneur te parle et il ne pas dit, n'oublie pas. Si tu apprends quelque chose de long jour, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Voyez? Et ils augmenteront ta paix. Proverbe chapitre 10, verset 27. Chapitre 10 de Proverbe, verset 27, il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel de façon révérentielle? Tu le révères, tu l'obéis, tu le respectes, tu l'exaltes et tu l'obéis de façon constante. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Je prie que cela ne se passe pas sur ta vie. Chapitre 28, Proverbe 28, verset 16. Proverbe 28, verset 16. Proverbe 28, verset 16. Il dit, un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. Mais celui qui est ennemi de la cupidité, celui qui est ennemi de la cupidité, ça c'est le vol. Tu n'aimes pas. Tu es ennemi de la cupidité, du vol, de tout ce qui se pratique dans le monde, tout ce qui se passe, tous les détournements sur l'internet. Tout celui-là qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Celui-là qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Je prie que la vie longue soit pour toi. Éphésiens, chapitre 6. Prolonge ta vie. Longue vie. Voici l'engagement de l'Éternel pour notre longue vie, pour notre vie longue et pour une santé désirable. Éphésiens, chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Lui, il parle aux enfants, ceci mène pas aux enfants. Vas-y, il dit, mais là, ce Jean, le bien-aimé écrivain, il dit, vous êtes tous, il a référé aux enfants de Dieu comme des petits-enfants. Et maintenant, comme Jésus parle maintenant à ses disciples, il se référait à eux comme des enfants. Maintenant, ici nous parlons. Il dit, les enfants, obéissez à vos parents, les parents dans le Seigneur, selon le Seigneur. Père dans le Seigneur, ma part dans le Seigneur, nos ministères, nos ministres, nos dirigeants, nos pasteurs. Donc il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère naturelle. C'est là le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Parfois, lorsque vous considérez ceci, voyez les enfants dans leur école, dans leur lieu d'école, c'est comme si, au lieu que les enseignants leur enseignent seulement la chimie, la biologie et tous les domaines de leur cours, ils leur enseignent la rébellion, comment dire non à leur père, comment dire non à leur maman. Et enseignant, ce n'est pas ce que nous avons, c'est pourquoi nous avons payé. Tu as payé pour enseigner à nos enfants comment. Maintenant, voici ce que tu enseignes aux enfants. Comment rebeller à leurs parents. Tu dois leur enseigner le cours qu'il faut.
Hein? Il va vous enseigner, peut-être comment n'obéis pas à tes parents. Tu es un jeune garçon indépendant, tu es une jeune fille indépendante, tu es libre toi-même. Enseignant, c'est parce que pourquoi tu es payé. Tu es payé pour que tu puisses les enseigner les cours. Nous, les pasteurs aussi, nous sommes là. Nous leur parlons du comportement, de l'honnêteté, de le caractère, de la foi en Dieu, de la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Et maintenant, à cause de ce sorte de situation, plusieurs enfants disent, parce que oh, je suis fort, tu as une pensée forte, tu peux dire non à papa, non à maman, et les membres de l'église aussi, ils pensent que nous sommes assez forts quand nous voulons savoir que l'église peut faire. Et pour, quand le pasteur vient, on peut dire non, nous ne sommes pas prêts à faire ceci. Ça, ce n'est pas la façon de longue vie. Parce que les enfants disent, oh, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vives comment? Longtemps où? Dites-le à haute voix. Longtemps sur la terre. C'est que longue vie te viendra au nom de Jésus. Maintenant, je vais lire maintenant Psaume 91, c'est que nous tu le sais. Mais ça, c'est un secret. Secret. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il sait. Tu t'en as entendu. Il n'y a pas d'amen, il n'y a plus d'amen. Il y avait amen l'année passée. Il y avait amen 10 ans passés, plusieurs années passées. Qu'en est-il de Psaume 91? Je lis, tu disais amen, amen, amen. Mais maintenant, 20 ans passés après, je lis cela, il n'y a plus amen. Si tu ne dis pas amen, je vais dire amen. Il dit, au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spigue. Un petit lion, tu fleuras le lionceau et le dragon. Et puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, et puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai. Le Seigneur va te répondre ce matin au nom de Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Voici ceci. Ça, c'est quelque chose. Je dis ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Tu dois te lever. Lève-toi. Voici quelque chose. Je le rassasierai. De quoi? De longs jours. Je le rassasierai. Et je lui ferai voir mon salut. Ce salut est là ce matin. Cette délivrance est là. Cette guérison est là. Cette bonne santé est là. Cette puissance est là déjà. Et de longs jours, je le rassasierai. Et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur va te montrer quelque chose ce matin. Le Seigneur te montrera quelque chose ce matin. Ouvre ta bouche maintenant et prie. Et dis au Seigneur, oh, montre-moi. Il te montrera. Tu me montreras toutes les choses. Tout ce qui veut régner ta vie ce jour. Le Seigneur veut les enlever de ta vie. Ces cancers, cette tuberculose, ces choses malades, cette infirmité, ces désastres, ces maladies,
Le Seigneur va les supprimer, va les bannir de leurs jours, Je te rassasierai. Et je te ferai voir. Ma délivrance, ma santé et mon salut. Invoque le Seigneur, Il a promis la santé. Souviens-toi, si seulement tu écoutes et que tu peux obéir à la parole de l'Éternel. Pas autre, faut bannir toute autre pensée, Renvoie-les. Et dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Je dépends de ta parole, Seigneur. J'ai confiance en ta parole. Seigneur, me voici. J'ai confiance en ta parole. Et je crois en ta parole. Et je viens, je place ma confiance, ma foi en cette parole. Et voici la parole qui va te guérir. La parole. La maladie n'aura plus de puissance sur ta vie. L'infirmité n'aura plus de puissance sur ta vie. Je me rappelle, je me souviens. Lorsque tu te détournes d'un péché et que tu as le salut de l'Éternel et que tu as obéissance à la parole de l'Éternel, dit, maintenant la bonne santé sera pour toi et la bonne santé de l'Éternel viendra dans ta vie. Tu peux le dire, tu peux dire au Seigneur, oh Seigneur, je vais obéir, je serai obéissant à ta parole. Et cette obéissance te purifie, cette obéissance te lave, cette obéissance te lave la guérison, cette obéissance te donne la guérison, la santé, la délivrance et la domination. Sois résolu. Le péché apporte la maladie. La justice, la sainteté amène la guérison, la santé. L'obéissance à la parole de Dieu que nos dirigeants, nos pasteurs, le GS, nous enseignent va nous apporter de longs jours. Obéis tes parents dans le Seigneur, car c'est ça la loi, la parole. Et que tu seras heureux avec cela. Et que tu vas prolonger tes jours sur cette terre que le Seigneur t'a donné, cette vie que je t'ai donnée. La condition. Et notre confiance en l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous guérit. Et la confirmation de longs jours. Et de la bonne santé désirable ou désirée. Crois au Seigneur, crois à sa parole. Voici la parole qui apporte l'accomplissement dans ta vie. Nous ne sommes pas guéris par un processus émotionnel, mais nous sommes guéris par une foi dynamique bâtie par la parole, établie sur la parole. Nous ne sommes pas guéris par un jeûne prolongé, indéfini, par un non-scripturaire, un jeûne non-scripturaire. Nous sommes guéris par la foi dans la parole de Dieu, la fidélité dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les véritables croyants de Dieu disent, ceux qui croient, que la guérison est là, et que ta bonne santé est là, et que ce long jour est là, ceux qui le croient, que ces croyants disent, c'est déjà pour toi au nom de Jésus. Et c'est pour toi au nom de Jésus. Toute chose que le Seigneur a prouvé pour toi, personne ne t'enlèvera cela. Réjouis-toi de cela. Hein?
pour dans le nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce matin. Oh, que toute la parole de Dieu, Seigneur, nous la croyons. Et ça va s'accomplir. Ça sera pour nous au nom de Jésus. Tu as dit, voici une année de réveil, une année de guérison, une année de bonne santé, une année de signes et de prodiges. Oh Seigneur, nous le croyons. Accomplis cela ainsi au nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous demandons que quiconque ayant une maladie, une infirmité, une dépravité, oh, dans son corps, n'importe quoi, commence là. Quitte, sors de ce corps au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, touche le corps. Touche la vie, de la tête jusqu'aux pieds, touche la vie. Oh, guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, que la force surnaturelle, la santé surnaturelle vienne à chacun. Et que, Seigneur, toutes ces maladies, ces infirmités, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, plus de faiblesse au milieu de nous, plus de maladies au milieu de nous. Plus d'infirmité dans le milieu de nous. C'est accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Tu as dit, quand tu vas ôter, je vais ôter de la maladie, du milieu de mon peuple. Tout garçon, toute fille, tout jeune, tout enfant, tout étudiant, tout papa, tout maman, oh, tout frère, toute soeur. Seigneur, plus de maladie. Ôte la maladie. Ôte la maladie, Seigneur, du milieu de ton peuple, de nous, au nom de Jésus. Tous nos dirigeants, tous nos pasteurs d'État, tous nos ouvriers, tous les ouvriers à plein temps. Seigneur, nous te servirons. Nous allons te servir. Tu as dit, nous te servirons. Et tu béniras ton pain. Et tu béniras nos pains. Seigneur, nous prions que chaque ouvrier, tu touches leur vie, touches leurs maris, touches leurs épouses et touches leurs familles. Guéris-les au nom de Jésus. Oh Seigneur, certaines sont parties déjà. Seigneur, nous fermons la porte de mort prématurée. Dans notre église, nous fermons cette porte de mort prématurée. Et Seigneur, je proclame la vie sur tes enfants, long jour sur ta vie, sur ton peuple. Un an, mais une vie longue au nom de Jésus. Nos épouses vont mener une vie au rang de long jour. Nos époux au rang de long jour. Nos dirigeants au rang de long jour. Nos ouvriers au rang de long jour. Nos membres vont vivre longtemps. Et Seigneur, je le déclare, je protège chacun par le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui a amené la mort prématurée, Seigneur, est anéanti, est banni. Et que ce soit cela, Seigneur, je commande, plie ma grâce et sort de notre église au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple dans le passé était fidèle et tu les as gardés avec de longs jours. Maintenant, si ton peuple si fidèle, Seigneur, tu vas nous garder également, parce que comme nous entendons la parole de Dieu, cela produit la foi. Et Seigneur, la promesse, cela foi, nous allons obéir à ta parole. Nous prions, Seigneur, plus, comme tu nous donnes de fidélité et la foi, nous prions, Seigneur, plus de maladies, plus d'infirmité. Seigneur, libère ton peuple au nom de Jésus. Et que plus de ceux qui n'ont pas pu venir ici à ce lieu, et ça, c'est ils sont dans la maison. Oh, dans l'hôpital, à cause d'une maladie, ne peut pas venir. Oh Seigneur, à cette retraite, parce que c'est que je sais pourquoi c'est là je suis, Seigneur. Je prie maintenant. Oh, dans la maison, dans n'importe où, j'envoie ta puissance. Dans l'hôpital, là où ils sont, Seigneur, j'envoie ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, je commande mon frère, ma soeur, n'importe où tu es. Écoute la voix de l'Éternel. Lève-toi. Au nom de Jésus. Je prie pour tout le peuple ici présent, Seigneur. Oh. La force surnaturelle, la force surnaturelle, la puissance surnaturelle et la santé surnaturelle, Seigneur, donne à chacun au nom de Jésus. Les témoignages partout, dans chaque vie, les signes et la prodige dans chaque vie, les miracles pour chacun, la guérison et la santé pour chacun, le long jour pour chacun. Confirme cela pour chaque vie au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as déjà fait, merci parce que tu l'as déjà fait, Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions.